Allez, on est parti pour 40 tours, attention, dans quelques instants. C'est pas une bonne course. Ouais, on verra. C'est parti avec Seb en première position. Voilà, ça se bouscule déjà dès le départ. Que Buell a déjà des problèmes a priori. Beaucoup de dépassements. Voilà, deuxième Jérémy, troisième Will. Derrière, c'est la grosse bagarre là. Après Pescadou. Oh là là. J'ai tapé dans le. Onzième. Allez, on revoit les départs de deux pilotes. En l'occurrence, Buell qui fait un très bon départ. Voilà, il est sur le point de dépasser Audi. Alors, peut-être des problèmes de connexion pour Audi. Ce qui fait que ça déconcentre Buell. Voilà, il est éjecté hors de la piste. Et il repart loin derrière tout le monde. Le départ d'Eltrist, plus délicat que celui de Buell. Alors, on voit de loin là l'accident de Buell. Et l'accident de Buell qui va causer celui d'Eltrist. Voilà, qui part légèrement en dehors des clous. Oh, Pesca à l'attaque sur Will. Et voilà, Pesca deuxième maintenant. Alors, voyons du côté de Jérémy, quatrième. Je suis légèrement foiré. Ouais, sinon, entre les deux, on était bon, on va faire tout ça. Alors que Seb pour l'instant est leader incontesté. Pesca va tenter de partir à sa. Partir sur ses traces, ça risque d'être compliqué. Mais Will revient bien, attention. Allez, Will qui va tenter quelque chose, peut-être dans le prochain virage. Il a pas de patate comme Pesca. Attention derrière Jérémy. C'est rapproché très près. J'ai accéléré plus à l'intérieur que toi, donc forcément j'ai pu accélérer moins fort. Oh, attention là. Petit dérapage là. Petit moment de. Dérapage incontrôlé. Eh oui, Jérémy qui va tenter de prendre l'intérieur. Sur sans caméra extérieure. Allez, Pesca qui fait l'erreur. Et Will qui passe avec Jérémy. Voilà, et Pesca qui se retrouve maintenant 6ème. Oh putain. J'ai peur, moi aussi. C'est chaud là aussi. Oh ouais. Pesca en grosse difficulté qui repart finalement 8ème. On revoit les événements marquants des deux premiers tours, événements qui n'ont pas été retransmis en direct.
face à ce bataille, on dirait la vie entre Buell et Space Tony. Alors que c'est serré un peu partout, et Buell 9e. C'est toujours aussi serré dans les premières positions. Ah oui, Jérémy qui tente d'attaquer là sur Will à nouveau. Attention, et là ça s'est joué à très peu de choses pour qu'il y ait une sortie de piste. C'est dur. Ouais, Jérémy qui a fait un très beau virage là et qui dépasse. Oh putain, c'est Will, clair, attention. Hein. Prochain virage. Will peut-il dédoubler? Non. Oh, et Jérémy qui fait une erreur. Will à nouveau deuxième. Attention à Siro derrière. Oui, Siro sur ses talons. Et Siro va passer troisième. J'étais en train de prendre toutes les trajectoires à l'extérieur, je croyais que t'étais juste là. Oh, passage en force là de Jérémy. Seb a largué tout le monde là, il s'apprête à rattraper a priori Malfi. Ah oui, Malfi 12e pour l'instant. Alors Eltris peut-il remonter sur Space Tony? Il était assez loin, on revient sur Siro 4ème. Ou oh, alors que derrière, problème de contrôle. Alors peut-être est-ce dû à sa déco, à sa connexion. Oui, effectivement. On ne va pas faire attention à Audi et ses trajectoires imprécises. Jérémy revient à nouveau sur Will. Siro qui est parti, ouais, et qui se fait dépasser par Audi.
Maintenant, cinquième. Alors que derrière, Pesca est en lutte avec Duff pour la septième place. On va essayer de voir également ce qui se passe devant encore. Alors là, attention, c'est très chaud entre les deux hommes. Et avec une meilleure vitesse de pointe, Pesca va passer. Mais Duff, allez, Duff qui se fait du coup doubler par Bull, du coup, sur cette petite manœuvre. Allez, Jérémy, troisième, Woody, quatrième, Siro, cinquième pour l'instant. Jérémy est juste derrière Will, toujours en tout cas. Will est au pit, Jérémy continue, Seb va ressortir. Alors, Audi, que fait Audi? Il reste sur piste, Siro pareil. S24 aussi. Ouais, pour l'instant. Ouh là là, le trafic. Et oui, qui doit ressortir dans le trafic. Alors, Will va ressortir. Ouf, 9e du coup. Et du coup, là, on a une petite bataille. Au milieu du classement. Pour la 5e place. Et derrière également, pour la 7e, entre Duff et Pesca. Ouais, finalement, S24, Pesca, Vanto, putain, il m'a pas pris. Ah oui, il y a un problème, il est arrivé trop vite, a priori, Pesca. Voilà, Jérémy, leader provisoire de cette course. Audi, deuxième. Attention à Siro derrière lui. Troisième place. Il reste avec moi, Bull. Alors que les deux coéquipiers, les kamikazes, Bull et Duff, se battent pour la cinquième place. Voilà, Jérémy au pit. Siro également. Audi poursuit sur sa lancée. Alors, a-t-il eu un problème pour Jérémy? Ressorti bien vite. Avait-il autant d'avance? Oui, et reparti devant Audi. Seb, troisième. Ça, c'est une petite surprise. Là, pour l'instant, Seb est troisième. Deux fois, allez, vas-y, c'est bon. Non, arrête. Ouais, c'est bon, ça m'a gonflé. Abusé. Deux fois, tu descends, c'est tout. T'as pris le stand.
Alors que Seb, voilà, passe sa deuxième place. Ced, Audi, cède sa deuxième place. Un bug, hein. À Seb. Le temps n'est pas sympa. Non. Allez, alors que Bull, il passe également. Will, voilà, repasse deuxième. Alors, Sirou va-t-il pouvoir passer troisième dans le trafic? Jérémy passe, ressort, mais attention, Sirou est là, et Sirou passe troisième. Il n'a plus rien, on s'est trouvé à l'entrée de stand. Catastrophe. Allez, Jérémy, à nouveau contact avec Siro. Attention, attention, oh là là, et ouais, Jérémy est à nouveau dans le sable là. Siro également, et ça fait les affaires de Jérémy, troisième. Alors qu'il y a une erreur. Alors que s'est-il passé? Ah, c'est au bon endroit où. Alors soit Jérémy. J'ai pas bien vu là ce qui s'est passé. Un beau travers. Les 24 qui voient venir Bull derrière lui.
Allez Seb, leader de cette course, grand leader. Il y a une avance considérable. Deuxième place, on retrouve Will. Siro, Jérémy en bataille pour la quatrième place. Les erreurs se multiplient là, encore une carte partie dans le sable. Alors que Jérémy va au pit. Alors, derrière lui, on retrouve Yul. Les 24 qui a fait une erreur a priori, donc du coup 6ème peut-être que oui, plus certainement fait une erreur. Jérémy va-t-il ressortir devant Duff? Ça paraît compliqué. Eh si Jérémy ressort Jérémy ressort derrière Duff. Que derrière lui il a Space Tony, mais Space Tony a un tour de retard. Attention aux erreurs. Alors, Duff va-t-il pouvoir suivre le train de Jérémy? Malfi dans le bac à sable, attention, retour de Malfi sur la piste. Jérémy qui s'éloigne progressivement. Point sur le classement de cette course, classement provisoire. Seb, première position. Siro, deuxième. Audi complète le podium, troisième position.
Will le quatrième. Un Biolay pas loin derrière lui, cinquième. 6, nous avons S24, 7ème place, Jérémy Duff, que nous avons vu il y a quelques secondes. 9ème, Eltrist. Space Tony de l'autre côté du circuit, de l'autre côté de la ligne droite, 10ème. 11ème, Malfi, et 12ème, Pescadou. Allez, Jérémy, qui est sur le point d'attaquer S24. Attention à S24, ouh, c'était chaud là, c'était très chaud. S24 part au stand. Jérémy, c'est le sixième. Ah bah c'était chaud, hein. Quoi. Alors que Duff est loin et pour l'instant, derrière, il se maintient. À bonne distance de Jérémy, mais il se maintient. Distance assez raisonnable entre les candidats au podium. Alors, Siro, Duff est au pit, Jérémy, passe Siro, qui vient de ressortir. On peut pas faire start quand on filme le club. Bah oui, tu peux. Et en fait, ça garde le même rythme, tu sais. Tourne à une 8, tu vois. Coucou d'œuf. Du coup, S24 est à hauteur de d'œuf. Space Tony fait une erreur, ce qui permet à Seb de le dépasser en toute tranquillité et de ne plus avoir de trafic devant lui.
C'est au quatrième avec le passage au pit de Bulle. C'est chaud. Ça fait une petite raquette du... Les deux faux contacts, c'est des zones 4 maintenant. Désolé. Je pensais pas que t'allais freiner si tôt. Pénalité pour Duff. Alors la zone 4 va devoir passer Malfi. Il y a Malfi devant, je peux pas non plus faire un autre quoi. Voilà, une fille qui laisse passer proprement S24, mais S24 a dû se faire peur. Oh oui, oh là là, il visite régulièrement les bas côtés de la piste. Et Duff revient vite. Voilà, Duff passe 7ème. Gaffe, S24, j'ai fait le spec de banane. Ouais, j'ai vu. Ça, je l'ai mis, ça m'est fait. Allez, rapidement, on voit donc premier Seb, ça tout le monde le sait. Deuxième Will, troisième Jérémy. Quatrième Audi. Cinq Siro dans sa ligne de mire. Bulle plutôt dans sa ligne de mire, Siro. 7ème Duff, 8ème juste derrière lui. S24 va rester sur les deux hommes. Alors que Will passe au pit. Il reste une dizaine de tours. Oh non. Ah, c'est chaud, il n'y a plus un cône là pour rentrer au stand. Allez, Bulle. Ah putain, c'est pas vrai. Bulle est parti très loin. Attention, retour de Duff et de S24. Voilà qui passe. Ah, Bulle. Oh ouais, ça va pas.
Un petit coup de tondeuse. Ouais, 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 on a remarqué avec deux. Ouais, ouais, ah, Bule qui perd deux places dans l'opération. On est mieux si tu seras, quand tu seras derrière. Tu m'as déjà abîmé mon pare-choc déjà. Alors, Jérémy, sans doute, tout ressorti. Oh, ça y est, tout ça parce qu'il y a eu une petite touchette. Oh là là là. Ça, c'est pour se remettre dans la main, tu sais. Je vais t'envoyer Maldonado, hein. Je vais faire de la poussette à la Maldonado si tu veux. Hein. Attention Aizen 4, attention Aizen 4. Ouais, mais c'est Bule manque de peu de lui ravir sa 7ème place. Oh là là, Aizen 4 qui a du gros coup de mal. Ça a été violent là, oh, mais Bule est passé. Non. Aïe aïe aïe. Il a mis le bac à sable. Tiens, j'ai dit, mais. Tu as fait une vibration, remets-le. Le duel est reparti de plus belle. Ah, j'ai fait comment? J'étais à 3 km de toi. Bien roulé. Ah mais je sais que c'est un peu très gueule, mais je sais. Allez, puis Aizen 4 est au pit. Allez, Seb, 33ème tour, leader, incontesté, incontestable. Audi, 2ème. Will, 3ème, attention à Will, pas loin d'Audi. 4, Siro. Jérémy 5ème, pas loin derrière. Duff 6. Un petit peu plus loin maintenant. Bule est 7ème. Zan 4 est 8ème. 9ème, Eltrist. Alors Space Tony est 10ème. Malfi est 11ème. Alors, Audi qui va devoir passer. A priori, Malfi. Ah, Malfi qui s'est mis dans le bac à sable là. Zone 4 ressort. Zone 4, je ressors derrière toi. T'es derrière moi ? Ouais. Voilà, ouais, Zone 4 qui a laissé passer Will.
c'est quoi cette boss qu'il y a là? Ouais. Chaque fois, ça prend un pied. Ah, faut le prendre à l'extérieur. Catrice est passé 8ème. Sur Will. Donc Will est en bataille pour la deuxième place. Mais plus maintenant, Will est deuxième. Je m'en fais flipper, Oli, quand même. Attention, Malfi, je vais sortir. Enfin, je vais sortir. C'est toi qui sors. Audi ressort. Alors, est-ce qu'avec la vitesse, sa vitesse de pointe, Siro va passer? Siro passe troisième. Attention à la réponse d'Audi. Oh là là, oh la catastrophe. Et le Triste se retrouve au beau milieu du circuit. Eh oui, les 24 passes. Les gars. Je veux pas dire Triste, mais c'est pas raconté. Oh, Eltrist va violemment là. Compliqué pour Eltrist. Oh, voilà, qui rentre dans les pits. Voilà, Audi, il a dû rater entre les stands, putain. Ouais, Audi, bah, il est deux fois. Pénalisé, heureusement là, qu'il me restait de l'essence à chaque fois. Allez, Seb qui va entamer son avant-dernière ligne droite. Voilà, il reste un tour pour Seb. Oui, il est deuxième. Siro est troisième. 4 Jérémy. Il n'y a plus de duel dans cette course. Voilà, donc on a a priori le podium de cette course. 1 Seb, 2 Will, 3 Siro. Et voilà, dernière ligne droite pour Seb, qui va peut-être se payer le luxe de dépasser S24. Et voilà, c'est fait, victoire de Seb. Voilà, victoire totale de Seb.
qui aura vraiment complètement dominé cette course. Suivi rapidement normalement par Willy Siro. Alors, on attend les deux concurrents. Yes. Voilà, Will, deuxième, 45 secondes 8. Voilà, et Seb qui a creusé un énorme écart. Ouais, ouais, bien joué, Seb. Siro, Jérémy, ouh, et c'est Jérémy qui n'a pas joué à grand chose. Ah, merci. Belle deuxième place. C'est grâce au départ canon, là, t'as vu ça un peu? Ah oui, t'es parti comme une balle. Ah ouais, après, je suis battu avec Jérémy, c'était chaud. Puis après, je sais pas, il lui fait une erreur comme ça. J'espère que j'ai pas trop gêné. Belle course à tous, hein. Ah ouais, merci, merci. Bien passé, toi aussi. Ouais. Loupé les stands, et je suis parti après, en le premier relais, le premier passage, j'ai totalement loupé les stands, enfin, il m'a pas rendu compte. Ouais. Et après, je pars dans le décor avec la bosse, le quart à 40 km/h, et il me fait manger 6 secondes de pénalité. Oh non! Ah ouais? Si. Ah, on va pas être pauvre. J'avoue. Alors, on poursuit Audi 5ème. Je crois qu'il a eu un problème de stand vers la fin. Qui a sans doute eu un problème de stand. Ouais, il a été deux fois de suite donc. Ouais. Bah vers la fin il y avait plus de cône, c'était l'enfer. Bah, franchement le circuit est très bien mais on retiendra les stands de merde. Parce que franchement ça leur aurait pas fait mal de mettre un peu de peinture par terre. Bull et Duff finalement 6 et 7 et à 1 dixième d'écart. Pour Bull ça fait deux fois que je te pousse hein. Pour que ça soit arrivé. Fallait passer hein. Vous faites la même temps quoi. 35-30 et une 35-29. J'étais à l'aspi. L'aspi à 80. Enfin à 40. Ça décoiffe. D'ailleurs. Je te devrais faire gaffe. J'ai oublié que t'étais derrière. Donc, De quoi? J'avais le sanglier qui était accroché derrière, donc Aïe. C'est pour ça. Oh, bah, en tout cas, bravo Seb, Will, Siro, ouais. Et tout le monde aussi. Bien joué les gars. Bravo.